Monsieur le chef de cabinet du roi, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue à cette séance publique de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Comme le veut une tradition qui est très longue, qui est presque multiséculaire, vous entendrez d'abord un discours de notre directrice, de notre directeur de la classe. Non, mais voyez-vous, voilà, d'une classe à l'autre, les souhaits changent. Et donc, madame le directeur Ginette Curgan vous entretiendra d'un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle a beaucoup traité, elle a beaucoup innové et maîtrise parfaitement, notamment la question des banquiers et du monde des affaires et de ses rapports avec la politique. C'est ce dont elle vous entretiendra. Puis nous aurons le plaisir d'avoir une lecture de la part d'une consoeur de la Koninklijke Vlaamse Academie, madame Enswit, historienne bien connue, et pour ceux qui connaissent un peu l'establishment néerlandophone de Belgique, mais je rappellerai tout de même qu'elle a été recteur, la première, et je suppose qu'elle préfère recteur que rectrice, de la vraie université de Bruxelles, et qu'elle a été par ailleurs pendant de nombreuses années présidente du conseil d'administration de la VRT. C'est une historienne patentée qui va vous entretenir d'ailleurs d'un sujet extraordinairement passionnant qui vient de faire l'objet en néerlandais d'un volumineux ouvrage relatif à l'orangisme, et vous verrez qu'elle va être amenée d'une certaine façon à tuer un certain nombre de légendes. Madame Curgan, vous avez la parole. Chers confrères, chers consoeurs, mesdames et messieurs, il n'y a guère, lors du décès d'un éminent homme d'État belge, d'aucuns ont déploré qu'il ait terni la fin de sa carrière à la présidence grassement rémunérée d'un établissement de crédit en déroute. Loin d'être exceptionnel, le pantouflage qui fait l'objet en Europe d'une vive réprobation depuis la crise de 2008 invite à nous interroger sur le rapport entre banquiers et politiques en Belgique au XIXe et XXe siècle. Si le cas belge présente nombre d'analogies avec celui d'autres pays européens, il se singularise sur deux plans. D'une part, par la précocité du développement de son système bancaire et en particulier celui de la banque universelle ou banque mixte, suivant un terme qui nous est plus familier. Et le deuxième aspect, c'est qui la singularise, c'est la nécessité d'assurer la survie d'un État né dans un climat de scepticisme quant à sa viabilité. Dans une perspective à long terme, les rapports entre banquiers et politiques en Belgique ont connu un parcours mouvementé que je baliserai en trois étapes. D'abord, quels sont les rapports entre banquiers et politiques avant 1914 ? Ensuite, comment la Première Guerre mondiale débouche-t-elle sur le rôle dominant des banquiers dans la politique belge de l'entre-deux-guerres? Enfin, pourquoi assiste-t-on à un effacement des banquiers de la scène politique après la Deuxième Guerre mondiale? Première étape. Dès le début de l'indépendance, le marché financier belge se caractérise par la coexistence de banques par action et de banques privées avec une forte présence de la haute banque internationale dont le concours est indispensable au financement du nouvel État. Ce marché se distingue en Europe par la précocité des banques mixtes qui drainent vers l'industrie lourde
les capitaux indispensables à sa modernisation et son expansion. L'historiographie de la révolution industrielle a longtemps insisté sur la mainmise de la finance bruxelloise sur la grande industrie, en particulier sur le rôle singulier, voire mythique, de la Société Générale, aujourd'hui disparue. D'emblée, la Société Générale n'a eu de cesse d'affirmer son caractère national et d'en faire reconnaître la légitimité. Son ambition de dominer le système bancaire du nouvel État belge inspire durablement le recrutement de ses dirigeants qui sont choisis dans un cadre strictement national. Dans son système de cooptation des dirigeants, les liens familiaux comptent autant que les relations d'affaires et les affinités politiques en une période où bon nombre d'entreprises industrielles, en particulier les charbonnages et les transports, sont tributaires de la bonne volonté des pouvoirs publics. Grâce au suffrage censitaire en vigueur jusqu'en 1893, affaires et politiques font bon ménage au Parlement. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le recrutement des dirigeants de la Société Générale se caractérise par une adaptation continue au rapport de force politique, adaptation ralentie, il est vrai, par la longévité de certains de ses directeurs. Et cette adaptation aura pour effet de substituer à une direction majoritairement libérale, recrutée à l'époque de l'apogée du libéralisme qui occupe le pouvoir de 1857 à 1870, un dosage politique systématique des membres de la direction, avec un recrutement de plusieurs anciens ministres catholiques lorsque le Parti catholique revient au gouvernement pour 30 ans de 1884 à 1914. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'exercice de mandat politique par des banquiers privés ou des dirigeants de banques par action est courant. Un siège au Parlement est aussi recherché par certains membres de la haute banque d'origine étrangère qui a activement participé à la formation d'un capital national en Belgique. Je rappellerai que la haute banque s'articule à Bruxelles autour de deux pôles rivaux, les Rothschild d'une part et les Bischofsheim et leurs alliés d'autre part. Contrairement aux Rothschild, qui, pendant plusieurs décennies, gèrent les affaires belges de Paris en se faisant représenter par un agent, les autres banques d'origine étrangère participent activement à l'organisation du système monétaire et du crédit, comme à la mise en place d'un secteur public de l'économie et à l'essor des banques par action. Et ces banquiers joue un rôle essentiel dans l'établissement de contrepoids à la puissance de la Société Générale et des Rothschild. Aussi entre-t-il dans l'usage de ces banquiers de se faire naturaliser belge dès qu'ils ont pignon sur rue et de briguer un siège au Parlement. À cet égard, Jonathan Raphaël Bischofsheim incarne l'accomplissement le plus achevé de cette intégration. À la veille de la Première Guerre mondiale, les relations politiques restent un facteur important de la formation des réseaux bancaires. Mais la professionnalisation croissante des dirigeants de banques s'est accompagnée d'une dépolitisation progressive des conseils d'administration. Et plusieurs facteurs y ont contribué. D'abord, la libéralisation de l'économie belge depuis le dernier tiers du XIXe siècle et l'internationalisation de la place de Bruxelles. D'autre part, le déclin du pouvoir du Parlement au profit du gouvernement
pendant les 30 années d'occupation du pouvoir par le Parti catholique. Et enfin, les liens étroits du personnel politique avec les milieux d'affaires par le jeu des relations familiales et d'alliances matrimoniales judicieusement choisies. Un exemple tout à fait significatif. En 1870, 5 des membres du conseil de direction de la Société Générale, dont 3 anciens ministres, siègent au Parlement. 30 ans plus tard, la proportion s'est inversée. 5 des 7 membres du conseil de direction, dont le gouverneur, n'ont aucune fonction politique. J'en arrive à la deuxième étape. Comment la Première Guerre mondiale débouche-t-elle sur le rôle dominant des banquiers dans la politique belge de l'entre-deux-guerres? Pendant la Première Guerre mondiale, la Société Générale s'est imposée comme le leader incontesté du monde bancaire belge. Le gouvernement est en exil, la Banque nationale est fermée. À la tête du consortium des banques, la Société Générale est le principal interlocuteur de l'occupant. Elle joue un rôle clé dans l'organisation et le fonctionnement du Comité national de secours et d'alimentation, et elle devient un lieu de rassemblement national. Ses dirigeants, Jean Jadot et Émile Francqui, sont considérés comme des mentors, tant dans les milieux d'affaires que dans le monde politique. L'adoption du suffrage universel pur et simple dès les élections de 1919, combinée à la représentation proportionnelle, modifie complètement les rapports de force au Parlement et la Belgique entre dans une période d'instabilité politique durant laquelle se succèdent des gouvernements de coalition. Le rôle des banques change profondément après la guerre. Elles se réorientent vers la reconstruction de l'économie nationale. Elles s'engagent dans un processus accéléré de concentration industrielle et bancaire sous la direction de groupes financiers puissants. Et les investissements coloniaux au Congo se substituent aux exportations de capitaux à l'étranger d'avant-guerre. Et cette évolution se déroule dans un climat d'âpre rivalité qui débouche en 1928 sur l'absorption de la Banque d'Outre-mer par la Société Générale, qui s'assure ainsi le contrôle de la moitié de la grande industrie belge et 80% des affaires coloniales. Contrairement au cas des pays voisins, où l'État et la Banque centrale s'imposent dans le règlement des problèmes monétaires et financiers, la Société Générale éclipse la Banque nationale tant en raison de la forte personnalité de ses dirigeants que de l'importance de leur réseau de relations à l'étranger. Durant les années 20, la Société Générale incarne l'apogée de l'influence des banquiers en Europe. Et cette évolution a une double conséquence sur les relations entre banquiers et politiques. Des banquiers sont appelés au gouvernement sans passer par la voie parlementaire pendant les crises économiques et financières. Bon, je cite des noms célèbres, Georges Tunis, Émile Francqui, Albert-Édouard Janssen. Mais deuxième aspect, c'est que le modèle de la banque mixte est célébré et imité en dehors de l'establishment comme un outil de développement des intérêts des classes moins favorisées. Ainsi, la Banque belge du travail émane du mouvement coopératif socialiste. Du côté catholique, un vaste groupe bancaire se développe sous le contrôle du Burenbund. Tous deux s'écroulent pendant la crise des années 30. La Banque belge du travail sera abandonnée à son sort suite au refus des partis catholiques et libéraux au pouvoir de lui porter assistance. Par contre, le groupe bancaire contrôlé par le Burenbund sera sauvé
pour deux raisons. D'une part, la crainte d'une déstabilisation de l'ensemble du système bancaire, et d'autre part, la pression de l'Église et des milieux démocrates chrétiens flamands qui sont peu disposés à perdre un réseau bancaire qui soutient le développement des entreprises flamandes. Et la réorganisation du groupe aboutit à la fondation de la Credit Bank. Pour illustrer ces rapports de pouvoir entre banquiers et politiques, je vous propose d'évoquer deux épisodes qui me paraissent significatifs. La crise monétaire et financière de 1926 et la réforme bancaire de 1934-35 qui revient dans l'actualité. Crise de 1926. Pendant la crise de 1926, les banques mettent en échec la tentative de stabilisation du franc par le gouvernement Poulet-Vandervelde. Ce premier gouvernement de coalition démocrate-chrétien-socialiste est acculé à la démission. Henri Jaspar, dirigeant de l'aile conservatrice du Parti catholique et proche de la Société Générale, forme un cabinet tripartite. Sur les instances du roi Albert Ier, Émile Francqui, autre, entre au gouvernement comme ministre sans portefeuille, puis ministre du Trésor. En 6 mois, Francqui mène tambour battant le rétablissement des finances publiques et la stabilisation monétaire. Il procède à la consolidation forcée de 2/3 de la dette flottante en privatisant les chemins de fer de l'État avec la création de la SNCB. Il conclut un emprunt international de stabilisation de 100 millions de dollars grâce à ses relations privilégiées avec les banques anglaises et américaines. Le franc belge est stabilisé à 175 francs la livre contre le taux de 106 fixé par le précédent gouvernement. Et Francqui va profiter de sa position pour réorganiser la Banque nationale en réduisant sa fonction de dispensateur du crédit au profit des banques privées et en accroissant l'influence des banques privées sur le fonctionnement de la Banque centrale. Et telle est sa réputation d'homme tout-puissant du royaume qu'il est surnommé à l'époque le vice-roi de Belgique. Il revient à la Société Générale, mais il continue à présider le comité interministériel du Trésor qu'il a créé lors de sa participation au gouvernement. Il représente la Belgique dans toutes les conférences internationales sur les réparations et les problèmes monétaires. Il intervient dans les crises gouvernementales et dans la formation de la plupart des cabinets. Il sera au cœur des négociations qui aboutissent à la formation du gouvernement dit des banquiers en novembre 1934 pour traiter la crise du Boerenbond. J'en viens maintenant à la réforme bancaire de 1934-35. La crise mondiale, la faillite de la Banque belge du travail et du Boerenbond. Les campagnes menées depuis plusieurs années par la gauche, puis par l'extrême droite contre les collusions politico-financières aboutissent à la réforme bancaire de 1934-35. Les banques mixtes sont obligées de séparer leur activité de banque de dépôt de celle de holding. Tous les établissements dotés du statut de banque sont soumis au contrôle d'une nouvelle institution, la commission bancaire. La réforme bancaire a été considérée à l'époque comme une victoire des partisans de l'intervention de l'État dans l'économie. De l'étude approfondie de la genèse du fameux arrêté royal 185 du 9 juillet 1935, négocié sous le premier gouvernement Van Zeeland, il ressort qu'il est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministre des Finances, Max Léo Gérard, et les représentants des banquiers. Bien plus, dans le souci de restaurer la confiance du public et d'éviter la menace socialiste de nationalisation, les banques elles-mêmes ont été le moteur de la réforme. Elles ont accepté la régulation des activités bancaires en veillant à la préservation de leurs intérêts. Pour éviter l'ingérence de la Banque nationale,
le contrôle prudentiel des banques et la supervision des émissions de titres sont confiés à un organisme public indépendant, la commission bancaire, dont le fonctionnement est financé par les établissements contrôlés. En 1936, à l'instar des organisations patronales de l'industrie, les banques fondent l'Association belge des banques pour défendre les intérêts de leur secteur. Et j'en viens à la troisième étape. Pourquoi assiste-t-on à un effacement des banquiers de la scène politique après la Deuxième Guerre mondiale? Contrairement à l'issue de la Première Guerre mondiale, loin d'être auréolé du prestige pour services rendus à la patrie, le grand patronat, et les banques en particulier, doivent se défendre à la libération d'accusations de collaboration économique. L'arrivée au pouvoir de gouvernements d'union nationale à participation communiste, soutenus par des partisans de la nationalisation, incite les banquiers à adopter un profil bas. Non seulement les banques sont soumises à un renforcement du système réglementaire mis en œuvre par la réforme bancaire, mais elles subissent la concurrence croissante des institutions publiques de crédit. La suprématie de fait du secteur bancaire privé avant la guerre cède le pas à une étroite collaboration entre banques et pouvoirs publics. L'appel au gouvernement de dirigeants de banques privées devient exceptionnel. Désormais, ce sont les banques qui recrutent d'anciens ministres pour bénéficier de leur expérience et de leur réseau de relations avec les pouvoirs publics. Robert Henrion est le seul banquier de la génération d'après-guerre à être appelé au gouvernement en qualité de ministre technicien extra-parlementaire. Et son cas est révélateur de la complexité des relations entre banquiers et politiques à partir des années 1960. Vice-président de la Société Générale de Banque, Robert Henrion est nommé ministre des Finances lors du retour des libéraux au pouvoir dans le gouvernement social-chrétien libéral Van den Buitenen de Klerk en 1966. Il obtient les pouvoirs spéciaux pour entreprendre une série de réformes qui ouvrent la voie à la dérégulation et la déspécialisation de l'activité bancaire. L'affaire de Louvain met fin au gouvernement en février 1968. Pour des raisons déontologiques, Robert Henrion s'abstient de reprendre son activité de banquier, mais la direction de la Société Générale de Banque traverse une période difficile et le rappelle en 1969. Et cette fois, c'est en sa qualité de banquier qu'il joue avec l'ancien Premier ministre Gaston Eskens, devenu président de la Credit Bank, un rôle clé dans la signature en 1974 du protocole sur l'autonomie bancaire. Protocole négocié entre la commission bancaire et les banques, malgré la revendication des socialistes de légiférer en la matière. À partir des années 1990, la concentration et l'internationalisation des banques ont révélé au grand jour que les profondes mutations du système bancaire en Belgique ont échappé à l'autorité du pouvoir politique national. La crise de 2008 a-t-elle suscité l'occasion de rebattre les cartes? Celle-ci est une autre histoire. Je vous remercie. La parole est à Madame Elsuit. Monsieur le secrétaire perpétuel, un très grand merci de m'avoir invité ici ce soir pour pouvoir parler de mon dernier livre. Chers collègues, messieurs, mesdames,
Après la défaite de Napoléon, les alliés européens décidèrent, comme vous savez, lors du congrès de Vienne, en 1415, de réunir à nouveau les Pays-Bas du sud et du nord, qui avaient connu des évolutions au fond totalement séparées depuis la révolte contre l'Espagne dans la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, baptisé Royaume-Uni des Pays-Bas et placé sous l'égide du roi Guillaume d'Orange-Nassau, la nouvelle nation devait constituer surtout un tampon efficace contre la France, disons expansionniste. Mais comme chacun sait, la révolution belge de 1830 mettrait un terme au règne de Guillaume Ier. Mais ce que l'on ignore généralement, c'est que pendant près de 20 ans, un important mouvement d'opposition, composé donc d'orangistes belges, s'efforcerait d'annihiler cette révolution et, au fond, de rétablir le Royaume-Uni avec à sa tête le même souverain. Et malgré son importance pour l'évolution de la Belgique post-révolutionnaire des années 30, mais aussi encore pour les années 40, ce mouvement a été jugé peu pertinent par les historiens qui, au fond, ne l'ont jamais étudié en profondeur. Cela s'explique en partie parce que ces orangistes belges sont en effet les perdants de l'histoire. Ils symbolisent le monde qui ne s'est pas imposé et, comme vous savez, généralement, l'histoire des perdants est moins étudiée. Et surtout quand elle ne cadre pas avec la vision nationale, comme dans notre cas, la vision de Pirenne, qui voulait au fond voir dominer. Alors il y a encore une autre chose, c'est que réunir le matériel de source qui est au fond surabondant et qui donc se rapporte à ce sujet n'a rien d'évident, parce qu'une partie de ces documents sont dispersés dans les archives belges, mais la majorité se trouve aux Pays-Bas et beaucoup sont écrits en langage codé. Alors, il m'a fallu près de 5 ans pour les examiner, pour les décrire, interpréter les données. Mais donc, le résultat est là. Il y a un ouvrage maintenant sur Het verloren koninkrijk, le royaume perdu, qui sera cette année aussi traduit en français. Alors, bien entendu, cette recherche livre une foule d'informations inédites et donne du sujet une image qui est largement revue et corrigée. Et je voudrais énumérer ici mes principaux constats et vous donner donc quelques caractéristiques du mouvement orangiste, et je le ferai en 7 points. Alors, premier point. Contrairement à ce que l'on prétend généralement, l'orangisme n'avait rien d'un mouvement mineur ou marginal. Il était au contraire porté par, je dis bien, la majorité de l'élite du sud du pays et qui, au fond, était directement liée à cette élite pro-gouvernementale d'avant 1830 et qui était donc en général, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des oppositions, mais qui en généralement était satisfaite de la politique de Guillaume Ier. Alors, le mouvement se composait de quel groupe ? Primo, d'aristocrates légitimistes qui, dans cette période de restauration, au fond, qui jouaient encore ou avaient encore beaucoup d'influence. Deuxièmement, la bourgeoisie économique, industrielle, commerciale, financière, qui avait profité de la politique interventionniste de Guillaume Ier. Troisièmement, profession libérale et des intellectuels qui appréciaient la politique laïcisante, surtout, de Guillaume Ier et aussi sa politique culturelle. Eux, ils jouaient aussi un rôle clé. Alors, beaucoup d'administrateurs, d'anciens administrateurs, de magistrats et fonctionnaires, surtout des fonctionnaires fiscaux, qui formaient donc un groupe influent.
Par ailleurs, j'ai donc aussi découvert l'existence d'un groupe de fonctionnaires du gouvernement belge, donc qui avait adhéré au gouvernement belge, qui se disait orangiste en privé, mais parfois même militait ouvertement ou espionnait. Alors, des officiers de l'armée belge, mécontents, eux aussi, prirent également part au mouvement, et sans compter encore des groupes dans la classe moyenne, aussi dans la classe ouvrière, qui surtout pâtissaient des conséquences économiques et sociales de la Révolution, hein, parce que ça a duré tout de même un certain temps, cette crise sociale et économique. Alors, le mouvement comptait en général beaucoup de libéraux anticléricaux, mais j'ai tout de même aussi découvert une minorité non négligeable de catholiques, principalement parmi les aristocrates, mais aussi parmi cette élite administrative. Alors, deuxième point. Il y a donc l'image aussi dans la littérature d'un mouvement uniquement implanté dans quelques grandes villes, au fond un mouvement non organisé. Eh bien, cette image doit aussi être rectifiée. Évidemment, c'est dans les cités les plus peuplées que l'on trouvait donc les principaux groupes orangistes, mais la plupart des villes et des bourgs de province avaient aussi leur centre, leur noyau, et même à certains endroits, on pouvait même parler d'un orangisme rural. Alors, le mouvement n'était pas non plus désorganisé, je dirais même loin de là, parce qu'il y avait deux quartiers généraux. Il y avait un quartier ici à Bruxelles et alors le quartier général à La Haye. Aussi avec des sections, surtout d'exilés, une section à Aix-la-Chapelle, surtout pour Liège et Limbourg, Paris et Lille pour les deux Flandres. C'était là où il y a les exilés, donc de ces côtés-là. Alors, il y avait une association nationale qui résidait ici à Bruxelles et qui coordonnait donc les activités des réseaux locaux qui avaient tous leurs chevilles ouvrières, qui avaient leurs fidèles partisans, leurs lecteurs de journaux orangistes et surtout, évidemment, aussi leurs électeurs. Alors, tous formaient ensemble, je dirais même, un univers politico-culturel fondé sur un grand nombre d'associations privées, mais aussi avec de nombreux liens familiaux. Troisième point. Ce mouvement était loin, parce que c'est ça ce que Pirenne disait aussi, que c'était au fond un mouvement qui était loin, qui était donc sans danger. Eh bien, j'ai trouvé que ce n'était pas le cas, qu'au fond, le jeune État belge était bien attaqué par ce mouvement. Et ça, on a vu en mars 31, lorsqu'il y avait donc un coup d'État fomenté par des orangistes, mais aussi aidé par des personnalités qui appartenaient à la Régence. À l'époque, c'était la Régence, donc eux aussi, ils ont aider donc ces orangistes. Alors, ce mouvement a échoué, mais par après, il y avait la campagne des 10 jours, et alors là aussi, j'ai vu qu'il y avait des officiers de l'armée belge qui retournaient leur veste. Mais c'est surtout à travers une opposition, je dirais, acharnée dans la sphère publique que les orangistes nuisaient, au fond, la consolidation de l'État belge. Alors, il faut se dire aussi que dans un régime politique où seul un petit pourcentage de la population masculine, évidemment, avait son mot à dire, dans une, disons, une ville moyenne, il avait au moins pas plus que 200, 300 électeurs. C'était ça, la participation politique. Eh bien, un mouvement qui était formé de, j'ai pu compter, disons, quelques 10 000 membres de l'élite, donc, eh bien, ça, c'est pas à sous-estimer, je dirais. Alors, les orangistes allaient aussi
très loin dans l'opposition et surtout dans la provocation. Hein. Et parce que, pourquoi ? Parce que par ce biais, il voulait créer un climat favorable à la restauration et montrer hein, à la Belgique, mais surtout à l'Europe, que l'élite belge ne voulait rien savoir de cette révolution et surtout pas de Léopold Ier. Donc après juillet, fin juillet 31. Alors la presse orangiste et surtout la plume au vitriol des journalistes en particulier, eh bien, contribuèrent largement à forger cette image d'une Belgique qui, hein, d'après eux, non viable sans l'honneur et son roi. Alors aussi, dans les villes dans lesquelles les orangistes occupaient des positions clés, bon, alors là aussi, on voyait qu'ils offraient une forte résistance. Quatrième point. Ces dures résistances orangistes expliquent, et c'est logique, pourquoi évidemment les révolutionnaires utilisèrent à leur encontre des moyens, je dirais, hein, aussi dur, voire plus encore. Et il faut aussi se dire que la révolution belge a d'ailleurs été bien plus violente que ce que les historiens n'ont osé avouer. Violence contre cette élite administrative, contre les propriétaires d'usines, contre journalistes, contre fonctionnaires fiscaux, contre magistrats, violence pour obtenir l'adhésion lors des révocations et autres épurations. Il y avait aussi nombreuses agressions physiques, y compris quelques lynchages. Alors, nombreuses explosions de fureur populaire, et généralement, cette fureur était organisée par des agitateurs parfois professionnels. Alors, les adversaires de la révolution ont subi tout cela. Mais ça veut aussi dire que la Belgique, ou les révolutionnaires, confrontés aux actions et surtout aux provocations orangistes, alors ils ont mené une politique de plus en plus répressive. Il y a eu proclamation de l'état de siège à Gand, mais aussi à Anvers. Il y a la violence populaire autorisée, par exemple, avril 34. Alors, liberté de presse qui fut réduite, il y a eu des procès qui se multiplièrent, il y a eu aussi quelques condamnations à mort, jusqu'à ce que le gouvernement, donc au milieu de 34, alors expulsa alors, même plus d'une dizaine de journalistes et surtout vota une loi punissant toute manifestation d'orangisme. Et donc, même la lecture d'un journal orangiste, par exemple, en public, eh bien, c'était défendu. Alors, cette politique, elle a porté un sérieux coup aux moyens d'opposition du mouvement orangiste. Ça va de soi, évidemment. Alors, cinquième point, l'orangisme organisé était avant tout un mouvement francophone. Certes, il y avait le noyau le plus puissant se trouvait à Gand, pour cause économique. L'adhérence était très forte à Anvers, il y avait dans de nombreuses petites villes flamandes, il y avait des centres actifs, mais Bruxelles, Liège comptaient en tant que grandes agglomérations de nombreux orangistes et le mouvement était bien enraciné dans des localités comme par exemple Mons et Tournai où ils avaient la majorité entre 30 et 36, ils avaient la majorité dans le conseil communal. Namur, Verviers, des centres actifs. Et à Marche et à Charleroi, j'ai trouvé des corps de volontaires. Alors là, c'était un phénomène que j'ai peur que la Flandre ne connaissait pas. Alors, le français dominait nettement le mouvement, et ça, évidemment, ça n'a rien de surprenant, puisque le mouvement était concerné l'élite et que celle-ci était à l'époque francisée, y compris à Bruxelles et en Flandre.
entre eux, avec le roi, avec la haie, bon, on ne correspondait que dans cette langue. Autrement dit, l'orangisme belge était une affaire de francophones. Et de ce fait, le mouvement était en grande partie coupé des classes moyennes néerlandophones de Flandre. Et on voit aussi que les liens avec les défenseurs de la langue néerlandaise restèrent très limités, hein, parce que ceux-ci étaient d'ailleurs perçus par le mouvement orangiste comme le petit frère faible, au fond, et d'ailleurs, on les désavouait en raison de leurs liens avec la Belgique. Hein. Bon, donc, question francophone. Sixième point. Ceux qui s'attendent à ce que le mouvement orangiste belge soit largement soutenu par les anciens Pays-Bas, eh bien, ils se trompent. Parce que, au contraire, dès le début de la Révolution, et là, ce sont des choses qui m'ont frappé le plus, ou qui m'ont surpris le plus, je dois dire, dès le début de la Révolution, il se formait un mouvement anti-belge très dur dans le Nord. Hein. Bon, compliqué pour comprendre, mais disons que surtout à Amsterdam et aussi dans d'autres villes, surtout des provinces hollandaises, ils voyaient d'un mauvais œil la concurrence économique du Sud qui était industrialisée et aussi donc évidemment le port d'Anvers hein, qui à cette époque florissait. Alors le Nord s'opposait donc au Sud, et aussi à la politique de Guillaume Ier, qui visait donc à garder Pays-Bas et Belgique sous sa dynastie, et était donc vivement critiqué. Alors c'était pas uniquement parce que les puissances européennes n'étaient en effet plus favorables à cette construction, à cette formule qu'on vous avait, mais hein, aussi parce que la politique du roi, c'était une politique fort coûteuse, hein, donc cette politique de la ténacité, parce que l'armée, était obligée de rester sur pied de guerre, et sans le traité avec la Belgique, la Hollande, ou disons donc les Pays-Bas, devait payer la lourde dette d'État seule. Hein. Et donc, quant à soutenir l'orangisme belge, hein, ces cercles ne voulaient pas en entendre parler. Hein. Au contraire, j'ai vu comme, hein, parce que ces orangistes retardaient le moment où Guillaume mettrait fin à sa politique, ce qu'il voulait, évidemment, le plus vite possible. Hein, il voulait la scission. Et donc, les orangistes belges étaient dénigrés, même les exilés hein, qui sont allés donc dans le Nord et qui résidaient à La Haye, ils étaient traités, sans égard. Hein. Bref, le Nord étouffait clairement l'aspiration des orangistes belges à donc un rétablissement du royaume et hein, en 1838, la pression sur le roi était devenue telle qu'il dut envisager de signer le traité de paix avec la Belgique. Et alors, après son abdication, son successeur Guillaume Ier sur le trône, c'était en octobre 1840, la résistance contre les orangistes ne fit que croître aux Pays-Bas. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils furent jugés co-responsables, hein, je ne dis pas seuls, qu'ils étaient visés comme seuls responsables, mais tout de même jugés co-responsables de la situation internationale humiliante dans laquelle le pays se trouvait, surtout dans les années 40, même après. Hein. Alors, dernier point, point 7. Autrement dit, l'orangisme belge était un mouvement principalement soutenu par le roi Guillaume Ier et aussi par son successeur Guillaume II. Mais c'est donc la loyauté dynastique qui servait au fond de ciment. Le roi était le pivot, il était le centre du mouvement. C'était son soutien dans les moments difficiles
Et à travers sa politique de la ténacité, hein, il était au fond le symbole d'un futur économique et politique meilleur pour eux. On voit aussi qu'un culte orangiste était pratiqué parce que, évidemment, c'était un support psychologique et politique. Pas oublier non plus que ceux qui faisaient preuve donc, de cette loyauté ou qui rendaient service au mouvement ou qui étaient victimes de la répression belge, eh bien, qu'ils pouvaient toujours compter sur une aide, et je dirais hein, sérieuse, une aide financière. Alors, à mesure que le soutien royal diminua, le mouvement se délita. Après la ratification du traité au milieu de 1839, et alors l'abdication de Guillaume Ier, il y a donc un certain nombre d'orangistes qui prirent la voie de l'intégration dans le système belge, mais d'autres se montrèrent irréductibles, évidemment renforcés dans leur conviction par le soutien que la Haye leur prêtait, hein, à eux, à leur organisation et aussi à leur presse. Donc ça continuait. L'orangisme politique ne s'éteindrait qu'avec donc, la disparition de l'aide royale. Et là, il y a donc trois moments clés qui jalonnent cette évolution. C'est primo, la mort de Guillaume Ier. Ça, c'est fin, hein, donc, 43, décembre. Deuxièmement, le rapprochement entre Guillaume II et Léopold Ier. Pourquoi ? Parce que suite à la révolution de 1848, qui avait fait craindre aux souverains néerlandais une conquête de la Belgique par la France républicaine, et donc la mise en danger de son propre trône, et la mort de Guillaume II en l'année après, en 49, hein, c'est l'année où son successeur Guillaume III mit alors un terme à l'existence de la formation politique. Et c'est à ce moment qu'on voit qu'au fond, l'orangisme belge se transforma alors en culte de la nostalgie pour donc leur royaume perdu. Alors, dans quel cercle et jusqu'à quel point cette nostalgie perdura-t-elle dans la société belge après 1850 ? Il y a de nombreux signes qui suggèrent en effet que l'orangisme, je dirais sentimental, culturel, mais hein, plutôt sentimental, continuait à exister pendant encore tout un temps dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais évidemment, c'est là un sujet qui réclame d'autres recherches. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, après ces interventions brillantes et fort stimulantes, et en tant qu'historien, je ne puis que me réjouir d'avoir entendu les propos qui ont été ceux de nos consoeurs cet après-midi, j'en viens à ce qui constitue aussi une tradition des séances publiques de chaque classe, c'est la proclamation d'un certain nombre de prix et de récompenses. Il faut savoir que dès la création de l'Académie, d'abord une société littéraire de Bruxelles en 1769, érigée en Académie impériale et royale en 1772, bien, vont être lancés des concours, n'est-ce pas, des questions qui nécessitent réponses, et cette tradition bien, perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi les questions qui ont eu réponse et qui furent couronnées, on demande une étude anthropologique sur le don dans la culture gréco-romaine. Le prix a été décerné à M. Martin Degand, expert en valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales à l'Université Saint-Louis de Bruxelles pour son mémoire « Sénèque au risque du don, une éthique oblative à la croisée des disciplines ». J'invite M. Degand à recevoir son diplôme et son prix.
Autre question qui a reçu une réponse considérée comme très performante par le jury. On demande une étude sur le personnel diplomatique français en poste à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et le prix est décerné à M. Jean-Charles Speckart, doctorant en histoire en co-tutelle à l'Université Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles pour son mémoire. Un diplomate français à Bruxelles au temps du renversement des alliances, Dominique de Lesseps, 1752-1765. Monsieur Speckart. Les autres questions du concours n'ont pas donné lieu à attribution de prix. Parmi les fonds académiques, on décernait à partir des fonds académiques plusieurs prix cette année. Le prix Anton Bergmann, 24e période quinquennale, 2010-2014. C'est un prix créé en 1875 et qui est destiné à l'auteur d'une histoire ou monographie écrite en néerlandais d'une ville ou commune flamande de Belgique, quelle que soit sa population. Le prix est décerné à M. Yael Amers, professeur à la Catholic University at Leuven, pour son ouvrage intitulé « De Strijd om het Regenschap over Philips de Schoot, Opstand, Factie en Geweld in Brugge, Gent et Ypres », publié dans la collection Historis Monographien Vlaanderen, Gent, Academia Press, 2014. Monsieur Amers. Prix Adelson Castio, deuxième période quinquennale 2010-2014. C'est un prix créé en 1902, destiné à un auteur belge qui a produit un travail de qualité, mémoire, rapport de recherche, imprimé ou dactylographié, ayant pour objet ou pour effet de promouvoir le progrès social. Et le prix est décerné à Madame Caterina Serraï-Dari, docteur en anthropologie sociale, de l'École des hautes études en sciences sociales, membre associé du Centre d'anthropologie sociale de Toulouse, pour son ouvrage intitulé « La ville, la nation et l'immigré, rapport entre Grecs et Turcs à Bruxelles ». Question d'actualité, n'est-ce pas ? Publié à Paris chez l'Harmattan en 2012. Madame Serraï-Dari. Prix Franz Cumon, 15e période triennale 2012-2014. Il a été créé en 1937 et couronne un ouvrage ayant pour objet l'histoire des religions ou l'histoire des sciences, l'une et l'autre dans l'Antiquité, chez les peuples du bassin de la Méditerranée, je précise, avant Mahomet. Volonté du testateur. Le prix est décerné à Madame Corinne Bonnet, professeure à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, pour son ouvrage intitulé « Les enfants de Cadmos, le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, Paris, édition de Bocard, 2014 ». Madame Bonnet n'est pas parmi nous, si je ne m'abuse. Elle présente son livre actuellement en Italie. Prix Joseph Ouzio, 7e période triennale, 2012-2014, travail de recherche sur la langue française. C'est un prix créé en 1994. Il est destiné en alternance triennale à l'auteur d'un travail de recherche sur la langue française et à l'auteur soit d'une œuvre littéraire en dialecte, soit d'une étude de dialectologie. Et le prix est décerné à Madame Claire Badiou Montferrand, professeure de langue et stylistique française à l'Université de Lorraine, pour son travail intitulé « Les marqueurs d'inférence en français moderne, XVIe-XXIe siècle ». Voilà.
Le prix Claude Bakhvich, 6e période triennale, 2012-2014. Il est créé en 1999 et il est destiné à favoriser la publication d'ouvrages scientifiques se rapportant à l'histoire culturelle et en particulier à l'histoire des lettres d'une ou de plusieurs nations européennes ayant eu le latin comme langue de culture. Le sujet doit se rattacher à la période allant du 15e au début du 19e siècle. Le prix est décerné à Madame Agnès Guider-Denis, professeure de littérature française à l'Université catholique de Louvain, pour son travail intitulé « La figure emblématique, emblème, herméneutique et spiritualité, 1540-1740 ». Madame Guider-Denis. L'Académie octroie aussi des subventions à partir du fonds, notamment Arthur Merguelin, pour la 15e période annuelle 2014. Le fonds a été créé en 1999 et attribue en alternance entre les quatre classes de l'Académie des prix crédits de recherche ou de subventions à la publication d'ouvrages ayant trait à l'histoire en Belgique ou à des ouvrages apparaître dans la collection des anciens auteurs belges. Cette année, la subvention est attribuée à M. Emmanuel De Bruyne, chargé de cours invité en histoire contemporaine à l'Université catholique de Louvain, pour permettre la traduction vers l'anglais de l'ouvrage « Le réseau Cavel, des hommes et des femmes en résistance », qui est un ouvrage actuellement en cours de rédaction en français. Fonds René Draguet, 5e période, biennale 2013-2014. C'est un fonds qui date de 2001, destiné à encourager les recherches portant prioritairement sur le développement du christianisme en Orient jusqu'au 8e siècle de l'ère chrétienne, ou portant éventuellement sur les phénomènes religieux, philosophiques ou sociaux qui, à l'époque hellénistique ou sous l'Empire, ont pu influencer en Orient le développement des mouvements religieux. La subvention est attribuée à Madame Irini Foteini Viltagnotti, que nous avons déjà eu l'occasion, d'ailleurs, qui est parfois venue à certaines de nos séances à l'Académie, qui fait des recherches post-doc pour le moment à Oxford, qui est chercheur associé aussi du CNRS et qui a travaillé aussi à l'Université de Bruxelles, notamment notre confrère de Charneux. La subvention doit l'aider à financer la publication des deux volumes de son projet intitulé « Religion grecque, mythe et exégèse homérique dans l'œuvre de Porphyre de Tyr », 234-305, sous la condition que ces volumes soient effectivement publiés. Ça va de soi. Voilà en ce qui concerne les prix et les récompenses. Mais j'en viens évidemment à ce qui constitue aussi une chronique annuelle, c'est-à-dire le nécrologe. La classe, en effet, le regret d'avoir perdu plusieurs de ses membres. Parmi ses membres ordinaires, André Allard, décédé à Tournai le 16 mai 2014. Il était né à Laudelinsart en 1937. Il était licencié en philologie classique et docteur en philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain. Il va compléter sa formation par des cours en histoire de l'art et archéologie. Il va très longtemps enseigner le grec et latin à l'Institut Saint-André à Ramnichin. Une fois son doctorat acquis, il va gravir toute une série de grades au FNRS, chercheur qualifié, maître de recherche, directeur de recherche. Il sera chargé de cours invité aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et va terminer sa carrière comme professeur. Il fut aussi professeur extraordinaire et directeur du Centre d'histoire des sciences et des techniques de l'Université catholique de Louvain et professeur invité à l'Université de Paris 7 Jussieu. Plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de l'entendre à de nombreuses reprises. C'était un spécialiste de l'histoire des mathématiques, spécialement de l'arithmétique et de l'algèbre et des sciences exactes au Moyen-Âge et dans le monde arabe. Pierre Lebrun est décédé à Liège le 12 décembre 2014.
Il était né à Spa en 1922. Il entreprit des études d'histoire, puis de sciences économiques à l'Université de Liège, entre 1940 et 1949. Il était docteur en philosophie et lettres et licencié en sciences économiques et financières. Il était successivement aspirant, attaché de recherche, chercheur qualifié, puis associé du FNRS jusqu'en 1954. Et puis il entamait toute une carrière scientifique au sein de l'Université de Liège. Il y deviendra professeur associé à partir de 1963, professeur ordinaire à la faculté de droit de la même université en 1973. Et pour les historiens, économistes notamment, mais Pierre Lebrun est évidemment connu pour ses nombreux ouvrages en relation avec l'histoire économique de nos provinces, en particulier la draperie verviétoise. Et on lui doit un certain nombre d'ouvrages majeurs en collaboration avec d'autres auteurs relatifs à la révolution industrielle en Belgique au XVIIIe et au XIXe siècle. Et il avait créé dans cet esprit, en fonction des préoccupations que je viens d'évoquer, le Centre d'histoire quantitative et développement de l'Université de Liège qui va assurer nombre de publications. Georges Le Rider était un Français, membre associé de notre Académie. Il est décédé à Givors, en France, le 3 juillet 2014. Il était né à Saint-Cernin en 1928. Il était entré à l'École normale supérieure en 1948, agrégé de lettres classiques. Il passa brièvement par l'École française d'Athènes avant de rejoindre l'Institut français d'archéologie de Beyrouth, où il restera jusqu'au déclenchement de la guerre civile en 1958. Il va entrer alors au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, où il œuvrera durant 23 ans, dont 14 à diriger le cabinet des médailles et 6 à diriger la bibliothèque comme administrateur général de 1975 à 1981. Il va enseigner aussi la numismatique grecque à la 4e section de l'École pratique des hautes études. Il sera directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, professeur à Paris 4 à partir de 1984. Il va avoir donc, vous le devinez, de nombreuses publications. Il sera membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à partir de 1989. Et il enseignera aussi et surtout au Collège de France à partir de 1993. Voilà donc pour ceux qui nous ont quittés, mais vous savez aussi que nous élisons périodiquement de nouveaux membres, et je voudrais dire que la classe a élu en mars deux nouveaux membres, Xavier Lufin, qui est spécialiste en littérature arabe, professeur à l'Université libre de Bruxelles et véritable polyglotte, connaît 7 ou 8 langues, dont l'arabe et le turc, ce qui n'est pas banal de connaître d'ailleurs les deux. On lui doit déjà pas mal de publications et de conférences dans le cadre du Collège Belgique. Et M. André Réa, qui est sociologue et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Nous avons élu aussi 2 associés qui seront, au même titre que les nouveaux membres reçus dans une séance très particulière, ici le 30 mai prochain, nous accueillerons les élus des différentes classes de l'Académie, parmi ses associés, donc de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Quelqu'un que vous ne connaissez pas a priori, qui s'appelle Jean Plantureux, mais en fait Jean Plantureux, c'est Plantu, n'est-ce pas, le dessinateur de presse du journal Le Monde et à l'hebdomadaire L'Express, et Jean Tirole, économiste, directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle à Toulouse, prix Nobel d'économie 2014. Et tant qu'à parler de bonnes nouvelles, je vois qu'il se cache là au dernier rang. Je voudrais dire, ce n'est pas encore très officiel, ça circule dans un milieu fermé, mais je voudrais souligner que notre confrère Axel Clermans a gagné l'un des 5 prix quinquennaux du FNRS, celui qui concerne les sciences humaines et les sciences sociales, prix qui lui sera remis en présence du roi, à l'automne prochain, et dont notre confrère Axel Clermans mérite évidemment toutes nos félicitations. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Oui, vous applaudissez. Nous sommes arrivés au terme de cette séance.
Et je vous invite à prendre le verre de l'amitié à la salle de marbre, ici, au premier étage du Palais des Académies. Je vous remercie.